Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Glitter? T'as pas quelque chose? Seulement un champignon agaçant. Je parie qu'il organise une fête pour moi là-bas. Je me sens faible, Tarik. Patience, très chère. On est de nouveau ensemble, c'est tout ce qui compte. Oh, tu m'as tellement manqué, Santora. Notre vaisseau est quasiment prêt. Je prépare notre départ de la Terre. La Terre? On est encore sur Terre? Plus pour longtemps. Alors, t'as dit que tu voulais me parler? Au sujet du nouveau spectacle de Kung Fugitif, c'est ça? Ce gars, Steel Silva, est tellement fort. Oui, il est très doué pour botter les fesses. Tu crois que je devrais faire une vidéo? C'est pas pour Kung Fugitif, à vrai dire. Je voulais te demander, tu viens avec moi au bal de promo la semaine prochaine? Oh, tu m'as pris de vitesse. J'allais te poser la question. Alors, ça veut dire oui ou... Bien sûr qu'elle dit oui. Merci, maman. J'ai failli avoir une crise cardiaque, mais bon. Désolée, mais j'ai entendu bal de promo. C'est carrément génial. Je ferai vos robes si vous le voulez, ça vous dit? Oui, j'ai vu vos créations, vos vêtements sont magnifiques. Maman, je sais que tu veux nous aider, mais j'ai pas du tout envie de porter une robe longue. Ne t'inquiète pas, chérie, je connais ton style. Et j'ai déjà une idée de ce qui te plaira. Bon, d'accord. Je te fais confiance. Super. Je vais tout de suite au magasin de tissus avant qu'il ne ferme. Vous venez avec moi? Non, allez-y, on doit faire nos devoirs. Tu as réussi à entendre quelque chose? Non, rien du tout. Cette porte est totalement insonorisée. Oh! Alors comment on va savoir à quoi servira cette machine? On ne me dit jamais rien depuis que je suis là. C'est quoi ce monstre? Des déchets! Trop bon, je suis affamé! Miaou! Miaou! Oh! Son haleine est putride! Un petit bonbon à la menthe, la boîte toute entière! Miaou! Miaou! Oh non! C'est encore pire qu'avant! Pourquoi ils font tous dodo? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et cette odeur? Bonjour, je suis où? Mince alors! Berk, t'aurais pu prendre une bassine! Je m'appelle Junkaro! Délicieuse démonstration! Je ne dirais pas délicieuse, mais plutôt intéressante, ça c'est sûr! Peux-tu faire de ces déchets des pièces neuves? Transformer des déchets en trésors, c'est ma spécialité! Tes talents me seront probablement très utiles! J'ai utilisé ce récepteur pour récupérer des données des ordres des Rangers. Et je voudrais les insérer dans mon nouveau brouilleur de Zordes. Vous allez construire cette chose? Tout à fait! Et toi, tu fabriqueras les pièces dont j'ai besoin. Alors si vous vous promenez dans les bois hurlants en pleine nuit, écoutez les hurlements des loups-garous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode terrifiant de Mr. Vez. L'histoire est intéressante, mais je ne dirais pas qu'elle est réelle. Si tu ajoutes des arts martiaux, ça pourrait être le prochain Kung Fugitif. Ne dévoile rien, s'il te plaît. Vous parliez de Kung Fugitif? C'est dingue comment il bat ce boss de la mafia. Arrête de dire ce qui se passe. Oh, je suis désolé. Enfin bref, maman m'a donné ça pour toi. Waouh! Mon vêtement du bal est déjà fini. Maman est une machine. À coudre, je veux dire. Oh, elle est superbe. Une robe pour la fête. Où est le problème? Elle est somptueuse. Ouais, moi je la mettrais. J'ai bien spécifié que je voulais pas porter de robe à la fête. Je sais que c'est une excellente styliste. C'est vrai, mais... Depuis que je suis petite, j'ai joué sa petite fille modèle. Alors que ses robes à froufrou et ses jupes me faisaient ressembler à n'importe quoi. Ouf! Heureusement que ma mère a arrêté de choisir mes vêtements après mon 5e anniversaire. Waouh! Donc tu t'habilles tout seul. Ça doit être pour ça que ton t-shirt est à l'envers. Non. Mais non. C'est juste une nouvelle mode. Même après toutes ces années ensemble, ma mère ne connaît toujours pas mes goûts. Oh, je commence à en avoir assez. Il faut pas dramatiser, Izzy. Tu changeras peut-être d'avis? Sûrement pas.
Je ne porterai jamais ça. C'est la cinquième fois que je passe aujourd'hui. Vous pourriez dire à votre chef que les déchets doivent être dans les poubelles à 10h du matin. T'inquiète, Peter. On est vendredi. C'est bientôt le week-end. Maintenant que tu n'as plus de robe pour la fête, tu comptes porter quoi? Je trouverai quelque chose. Je t'écoute, Solon. Je n'avais jamais entendu ça sur la hotline. Il y a un monstre Spore X dans les poubelles. Il y a tout ce que tu es moche ici. Remplis ton bidon et mets tout dans la caisse. Oh, c'est charmant. Tu plaisantes pas, toi? Attends. Ah! Protège-moi! Je dois rapporter ces pièces tout de suite au Chevalier du Néant! Et nous, on doit t'empêcher de le faire. Transformation! Crétino Fury! Activé! Connexion transformation! Moi aussi, je peux dire des jolies phrases. À vous, les Henchmen, tous sur eux. Il mange plus qu'Ayon. Ça devrait suffire. Viens. Cresprit, paré. Attention. Quel puanteur. Masque n'y fait rien. Bon sang. Ça pue. Dommage que vous n'en ayez pas. C'est vrai, mais on est quand même trop fort pour vous. Armure de combat flamboyante. Attaque Fury flamboyante. Ça alors, ça a pas marché. À plus tard. Et en plus, l'odeur dure longtemps. Alors ce monstre vomit de nouvelles pièces pour le Chevalier du Néant. Du peu que j'ai vu, il pourrait fabriquer une console de jeu ou un vaisseau de guerre avec ses pièces. Oh, ça réduit pas trop les possibilités. Izzy, tout va bien? Je crois que nos commandes ont été inversées. J'adore le costume que ta mère a fait pour toi. Donc, la jolie robe était pour Fern? Et elle a eu mon costume. Ce qui veut dire que maman m'avait écoutée. Et jeter la robe à la poubelle. Oh. Attends, elle doit être quelque part. C'est ici que finissent les déchets. Je connais ce sifflement. Excuse-moi, c'est toi qui as collecté les déchets chez Buzz Blast aujourd'hui? Ouais, je viens de les déposer. Est-ce que tu saurais par hasard où sont les sacs? Sur cette pile. Mais vous voulez peut-être une pince pour le nez? Merci, mais non, ça ira. Je l'ai trouvé. Elle est toute sale. Mais ça peut s'arranger, non? Cette puanteur est insupportable. Comment j'ai pu faire ça? Maman va se fâcher et Fern aussi. T'en fais pas, Izzy. Maman est beaucoup plus cool que papa. Je veux bien t'emmener faire les magasins une fois qu'on se sera occupé de Monsieur qui pue. Merci, mais je verrai quand j'en aurai parlé à maman. Tu n'as qu'à y aller si tu veux. On trouvera un moyen de se débarrasser de ce monstre. Il émet une grosse quantité de gaz.
On doit pouvoir utiliser les détecteurs de pollution de la ville pour le localiser. Merci, l'équipe. J'apprécie votre aide. Beau travail, jeune calot. J'ai toutes les pièces qu'il me faut pour le brouilleur de Zord. C'était un plaisir. Je suis un monstre heureux à la panse pleine. Splinter va assembler les pièces du brouilleur de Zord pendant que nous, on accomplit une dernière mission. D'accord, je mangerai bien un petit truc. Mais d'abord, on va bien brosser tes dents. Non, tes couillons. Pas les dents, pas les dents. Et tu feras des bonnes bouches pour les dents. Je déteste les bonnes bouches. Si mon haleine te dérange comme ça, je peux faire en sorte qu'elle ne te jette plus la main. Terminé. Tu risques de le regretter. Mais que c'est une vraie crapule pourrie. Tout ira bien. J'ai un estomac en acier. Ne puisse mérite mieux que de finir dans l'estomac d'un mangeur de déchets. Bah quoi, y a pas honte à ça. Exagère. Arrêtez de dire des idioties. On a des choses plus importantes à faire. Mon brouilleur a besoin des données du tout dernier Zord des Rangers. Ah oui, le Zord pas casse-mâche. Oculo avait une douzaine de beurre noir à cause de lui. Junkalo, tu devras le faire sortir de sa grotte pour que j'enregistre son signal d'activation. Tariq, qu'est-ce que tu manigances encore? T'as un peu de jardinage en retard? Oui, tu ne peux pas imaginer. J'avais pourtant demandé à ton père de les arroser pendant mon absence. Alors, qu'est-ce que tu dis de ton costume? Je crois que les paquets ont été mélangés par erreur. Je me suis retrouvée avec la robe que tu as faite pour Fern. J'ai dû me tromper, désolée chérie. J'ai cru que la robe était pour moi. Et ça m'a énervée. Alors... je l'ai jetée. Oh, Izzy. J'aurais pas dû réagir de cette manière. Je comprends, chérie. C'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps. Je croyais que tu deviendrais un jour comme moi, que tu aimerais les belles robes et les chapeaux élégants. Les parents ont parfois du mal à comprendre. Je sais que tu as ta propre personnalité. Et j'aime celle que tu es devenue ici. J'ai beaucoup de chance d'être ta maman. Moi aussi, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la robe de Fern? C'est réparable? Malheureusement, je n'ai pas de super pouvoir. Mais on peut coudre une autre robe. Toutes les deux? Tu veux parler d'une collaboration entre mère-fille? Oui. Ce serait génial. On y va? Viens, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, 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 mon petit bidon! Arène de Jade, je dois enregistrer les données d'un autre Zord et je ne veux pas les rater. Je sens que je vais faire beaucoup de bazar. Ne vomis pas, Junkalo, tu peux le faire. Sois fort. Oh, tu es revenu. Cette journée ne pourrait pas être plus. Désolé pour le désordre. Je vais mieux maintenant. C'est bon. Aucune importance. Le récepteur est prêt. Va te battre avec les Rangers. Et fais en sorte de devenir géant. Ils seront obligés d'appeler le Zord pas casse-mâche. Ok, ça y est. J'ai accès au détecteur de pollution de la ville. Ajuste les détecteurs pour qu'ils repèrent les produits chimiques dans les gaz de Junkalo. On verra ces traces sur la carte rapidement. Allons voir. Je ne m'attendais pas à ça. On dirait que le monstre est à deux endroits à la fois. Près de la falaise des Zords et dans la zone industrielle. On va se séparer et vérifier les deux avant qu'il n'y ait d'autres pièces. Nous, on va vers la falaise. Je dis à Izzy de nous rejoindre. Parfait. Oh, les détecteurs avaient raison. Ça sent vraiment mauvais par ici. Le chevalier du néant. Les Rangers. Mince, alors ça pue. Vous avez oublié de prendre un bain ce mois-ci? Mon hygiène personnelle ne vous regarde pas. Connexion transformation. Ça semble important.
Ne t'approche pas de ça. Tire, Mosa Fury. Vous ne pouvez plus m'arrêter, comme vous ne pouvez pas empêcher le soleil de se lever. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que vous faisiez? Un pique-nique? Vous ne vivrez pas assez longtemps pour le savoir. Y'a que de la malbouffe dans cette ville. J'ai l'impression que c'est l'heure de mon goûter. Et pour nous, c'est l'heure des ordres. Oui. C'est parti. Solon, déploie les ordres. Assemblage des ordres. Yeah. Mégazord Dino Fury, formation épée. Mettons ce déchet à la poubelle. Un coup de fouet à ce déchet. Clé élastique. Paré. Coup de fouet élastique. Il est trop fort. Je n'arrive pas à le tenir. Explosion de rond pétillant. Ça sent vraiment très mauvais. Ça me donne une idée. Déploie les orbes, pack à smash. Et maintenant, vous allez... Juste à temps. On n'en a pas fini avec vous. Clé Dino flamboyante, parée. Attaque Fury flamboyant. Aucune importance. J'ai ce que je suis venu chercher. Vous avez compris à quoi servait cette machine? Aucune idée. Mais on a un autre problème. Mégazord Dino Fury, formation Smash. Connecté. Mettons tout ça à la poubelle. Sabre Méga Fury. Mégazord Dino Fury. Méga Bac à Smash. C'est le jour de le trouver. Victoire Dino Fury. Oh, j'étais pourtant pas loin. Tu te négliges, Mucus. Pas très gentil, mais vrai. Je vois que tu récupères vite. Il s'est passé tant de choses depuis l'accident. Mais tu t'en sors bien. J'ai vu que tu commandais des monstres Sporix. Tu m'as espionné, ma bien-aimée. Tu as vu que mon brouilleur de Zord sera bientôt prêt. En effet. Mais pourquoi s'arrêter là? Avec le pouvoir des monstres Sporix, tu pourrais aussi te venger. Me venger? De qui donc? As-tu déjà oublié ce que les humains nous ont volé? Non. Jamais je ne l'oublierai. Mais je n'ai ni besoin ni envie de me venger. Je veux seulement quitter cette planète. Avec toi. Repose-toi, pour l'instant. Quand mon brouilleur de Zord sera prêt, plus rien ne nous empêchera de partir. Carlos, qu'est-ce que tu fais, chérie? Izzy déteste les photos. Il faudra la prendre sans qu'elle le voie. Donc, je fais comme si je m'occupais du jardin. Reste juste naturel, chérie. Et alors, je peux pas jardiner? Tu ne t'occupes jamais du jardin et personne ne jardine avec ça. Oh, wow! Ça alors, vous êtes stylées toutes les deux. C'est grâce à vous, Rina. J'adore ma robe. Je n'aurais pas réussi sans Izzy.
Tu faisais quoi, là, papa? Rien. Je voulais prendre des photos, tu sais, pour notre album de famille. Ah, d'accord. Tu es absolument génial, chérie. Tout se met là. Ok, un petit sourire. C'est bon, ça va, ça suffit. Elles doivent y aller. C'est Ravi qui vous emmène, je crois. Oui, où il est? Oh, une limousine? J'y crois pas. Désolée pour le retard. Tu veux rire, c'est pas grave. C'est dommage que les autres ne soient pas là. Ils auraient adoré voir ça. Puisque tu le dis. Surprise! Ça vous dérange si on vous accompagne? Les encas sont gratis. C'est top, on y va. Oh, oh, une seconde, avant de partir, une dernière photo. Papa! Bon, très bien, okay. Super, alors tout le monde dit... bonne soirée les filles.